Payot. Et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Un nom, un mur, un destin, mais surtout un grand hommage. Bonjour à tous, c'est Marie de Payot Fribourg. Aujourd'hui, je vous présente Le nom sur le mur d'Hervé Le Tellier aux éditions Gallimard. Ce livre est un récit qui est vraiment inspiré de la vie d'Hervé Le Tellier, puisqu'un jour, il a cherché une maison de campagne et il en a trouvé une avec un nom sur un mur. Ce nom est André Chaix. À partir de là, il a décidé d'enquêter pour savoir qui était cet André Chaix. Il a découvert qu'André Chaix était un résistant, mort à 20 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à travers ce livre, dans ses pages, il lui rend hommage. Et il rend un hommage à la fois à la fougue de la jeunesse, mais aussi à l'idée de liberté et des gens qui se sont battus pour la liberté. Donc, Hervé Le Tellier est un auteur dont on a déjà entendu le nom, pour le coup, à maintes reprises. C'est notamment le récipiendaire du prix Goncourt, en 2020. Et là, il nous fait un récit qui est complètement différent de ce qu'il nous avait proposé pour le prix Goncourt, puisqu'on est plus dans un récit d'historien. Il fait vraiment œuvre d'historien en revenant sur le passé de ce personnage, André Chaix. Donc là, vous avez un livre idéal pour quiconque aime l'histoire, puisque c'est un récit d'historien, mais aussi pour quiconque s'intéresse à la littérature, puisque Hervé Le Tellier va s'amuser dans son récit avec son lecteur. Donc c'est un livre que je vous recommande vivement et je vous souhaite une bonne lecture. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.